L'invitation. Donc, je vais vous faire en une quinzaine de minutes un survol rapide et à haute altitude de, euh, du problème de la prise en charge des infections intra Voici mes conflits d'intérêts. Alors, je vous propose, dans un premier temps, de faire un bref rappel sur tout ce qui est source de confusion dans la littérature en termes de définition. Quand on parle d'antibiotiques, naturellement, il faut parler du principe, des principes chirurgicaux parce que c'est directement associé. Et puis, on arrivera ensuite dans le vif du débat avec les infections, les traitements anti-infectieux. Alors, premier élément de confusion, je vous rappelle que dans la littérature anglo-saxonne, on entend systématiquement parler d'infection compliquée. C'est une définition qui est issue de la Food and Drug Administration. Et ça repose juste sur le fait que ces patients ont tous une intervention chirurgicale. Ce qui veut dire que pour les infections intra-abdominales, il faut systématiquement avoir une, la chirurgie, deux, l'antibiothérapie. Et on va cibler ce type de population. Deuxième source de confusion, on entend parler régulièrement de secondary peritonitis, secondary parce que secondaire à quelque chose, ceci sous-tend en fait différentes entités extrêmement différentes, les peritonites dites communautaires, ce qui serait l'équivalent des pneumonies communautaires, les péritonites associées aux soins, et puis les péritonites acquises à l'hôpital, nosocomiales ou post -opératoire. Dernière entité qui est très spécifique des unités qui gèrent beaucoup de malades chirurgicaux, les péritonites tertiaires, patients multi-réopérés avec des infections itératives, voire des germes peu pathogènes. En termes d'épidémiologie, tous ces patients n'arrivent pas en réanimation. Il faut savoir que la majorité des patients qu'on va voir sont des perforations essentiellement coliques, non diverticulaires ou diverticulaires, des perforations gastro des perforations de l'intestin grêle, tout ceci pouvant être du nosocomial ou du communautaire et puis une partie non négligeable également qui sont des infections postopératoires et voyez qu'au total la mortalité est essentiellement observée dans ces populations, il est exceptionnel qu'on ait à prendre en charge en réanimation mais ça arrive, des appendicectomies compliquées en termes de présentation au niveau de la réanimation, c'est des patients qui n'ont pas beaucoup de particularités. C'est des sujets qui sont en général graves avec des scores SOFA relativement élevés, aux alentours de 8 points. Ils ont des comorbidités parce que c'est des patients qui ont déjà une bonne soixantaine d'années en moyenne. Et c'est des patients qui ont besoin de suppléances d'organes relativement fréquemment ventilation mécanique, suppléance rénale, cathécolamine. Au passage, notez que les infections intraabdominales, c'est en moyenne la deuxième cause d'infection la plus fréquente retrouvée en réanimation dans cette étude qui avait été faite par Yann Deval sur la série épique de Jean-Louis Vincent. Alors en termes de pronostics, les facteurs de mauvais pronostic, il y a naturellement un certain nombre d'éléments qu'on ne peut absolument pas modifier parce que c'est directement lié au patient proprement dit. Et les seules sources d'amélioration sont liées justement au traitement, soit... Rapidité de diagnostic et de traitement. Deuxièmement, adaptation du geste chirurgical d'un côté, adaptation des traitements anti-infectieux. Et donc, il faut donner un petit mot de la chirurgie. Et la chirurgie, ça peut être résumé en deux mots vite fait, bien fait à partir du moment où vous avez un malade qui a une péritonite, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas attendre, d'autant plus qu'il est en choc septique. Voilà ici une étude qui a été publiée il y a de ça maintenant deux ans, qui montre que dans cette cohorte de patients avec une péritonite et un choc septique, tous ceux qui ont attendu, plus de, ont attendu plus de six heures pour être opérés étaient tous morts à 60 jours, avec un odds ratio de 0,29 si vous êtes opéré dans des délais précoces. Deuxième élément, la qualité du geste chirurgical. Il est important que votre chirurgien soit satisfait à la sortie du bloc opératoire. Si vous avez un geste qui n'est pas d'une qualité optimale, ça se solde par une surmortalité. Il y a maintenant toute une série d'études dans la littérature qui montrent que le contrôle de la source infectieuse est un élément absolument indispensable. Dernier élément. C'est les patients graves que l'on voit voir arriver en réanimation. Les procédures de type damage control qui sont mises en place pour les patients polytraumatisés sont maintenant directement extrapolées pour ces patients avec une péritonite. Et ça repose là encore sur un geste rapide avec une identification de la source, un drainage des collections, un contrôle de l'origine du sepsis. Et on s'en va rapidement sur la pointe des pieds de manière à ce que le malade ait le temps de récupérer en, en, en attendant qu'on puisse faire un geste qui soit définitif dans ce genre de situation. En termes microbiologiques, je vous rappelle qu'on a trois grands types de flores. On a d'une part la flore anaérobie avec des cocci et des bacilles. Deuxièmement, la flore aérobie avec les germes qu'on retrouve le plus fréquemment, les cocci d'un côté, les bacilles de l'autre côté. Et puis troisième flore dont je parlerai un tout petit peu, mais qui pose de vrais problèmes, c'est les levures et essentiellement les candidats qui vont aller, là encore, être source de confusion et de débat dans, dans tous ces patients. En fonction de la source de la contamination, vous pouvez vous retrouver avec des Populations bactériennes qui sont très différentes, que ce soit au niveau gastro-duodénal, du grêle, colorectal. Grosso modo, plus vous allez descendre le long du tube digestif, plus vous allez avoir apparaître des flores de type gram négatif et l'émergence de germes anaérobies. En même temps, il n'y a pas d'études vraiment euh, définitive dans la littérature qui laisse à penser qu'il faille modifier ou qu'il faille cibler plus spécifiquement des germes en fonction de la source de la perforation sus versus sous-mésocolique. Il y a naturellement, à chaque fois, dans ce type de situation, un risque de germes multirésistants au cours des péritonites. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, au moins en Europe, dans le cadre de péritonites sans facteur de risque, la proportion ou le risque de germes multirésistants est extrêmement modeste. On voit apparaître ce risque. De germes multirésistants qui vont être essentiellement des bactéries de type BLSE, dans le cadre de patients qui seraient porteurs de facteurs de risque, sujets déjà hospitalisés précédemment, qui ont reçu des antibiotiques ou qui seraient connus comme étant porteurs de germes type enterobactéries BLSE. On peut voir éventuellement également des pseudomonas, mais ça c'est plutôt dans le cadre de la pédiatrie. Et ensuite, plus on va aller dans des infections de type nosocomiales et plus on voit voir apparaître des germes multirésistants avec naturellement une très forte prédominance actuellement en Europe de BLSE. On peut voir, mais c'est actuellement assez rare en France, on peut voir des entérocoques résistants à la vancomycine. On peut voir de temps en temps des staphylocoques dorés résistants à la méticilline. On peut rencontrer des pseudomonas multirésistants, d'autant plus que c'est des patients qui ont été multiréopérés. Les acinetobactères, ça tient du domaine de la rareté. Et puis les germes producteurs de carbapénémase, pour l'instant c'est du domaine anecdotique, mais si vous allez plus à l'est, en Inde, en Asie, en Chine, c'est un problème qui est maintenant vraiment prégnant et qui pose des problèmes thérapeutiques évidents. Ça n'est pas encore notre situation tant que vous n'avez pas des voyageurs à prendre en charge. Alors, quel, comment est-ce qu'on va décider du choix de notre traitement anti-infectieux initial Je vous rappelle les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign. Il faut essayer de cibler tous les germes qui vont être impliqués. Et pour cela, il faut suivre les recommandations qui ont été éditées, recommandations nationales pour les infections communautaires, recommandations de votre institution ou régionale pour les infections associées aux soins ou les infections nosocomiales. Et j'insiste sur le fait qu'il y a des recommandations et qu'il faut suivre les recommandations. Voilà ici une étude qui a été publiée l'année dernière par le groupe d'Hervé Dupont, dans lequel, dans cette étude monocentrique, les auteurs ont regardé quelle était la prise en charge pour 330, 310 patients atteints de péritonite. Le protocole était suivi seulement dans 52 des cas. Ça coûte cher parce que les patients qui n'ont pas eu un respect du protocole sont associés à une mortalité et à toute une série d'éléments de morbidité qui sont accrus. Donc ça veut dire que à 3 heures du matin, il faut suivre le protocole. Quels sont les facteurs de risque de non-compliance au protocole Premier élément qui n'est pas une surprise, les patients suspects de bactéries multirésistantes où là on va dévier des protocoles traditionnels. Deuxième élément beaucoup plus intéressant, les vieux prescripteurs, excusez-moi pour les gens qui ont plus de 35 ans, mais grosso modo, les gens qui sont expérimentés, qui ont l'expertise, vous disent moi je sais. Et malheureusement, quand vous savez, de temps en temps, vous faites des fautes, et ces fautes se soldent par des erreurs dans le suivi des protocoles et potentiellement des conséquences thérapeutiques. Donc message important il faut suivre le protocole. Alors ce protocole, il a pour but d'essayer d'avoir un traitement probabiliste qui soit adapté. Et tout comme ça avait été montré par Kumar dans les pneumonies, quand un protocole et quand un traitement initial n'est pas approprié, ça se solde par une surmortalité. Eh bien, on retrouve exactement la même chose. Et c'est Kumar qui avait montré ça là aussi, que les péritonites qui ont un traitement approprié ont une bien meilleure survie avec un facteur pratiquement 10 d'eau de ratio de mortalité. Quand le traitement n'est pas approprié initialement et ces traitements inadaptés, ils sont vus tout particulièrement dans. Les péritonites et les perforations digestives, une mention particulière pour les perforations post-opératoires ou les lâchages d'anastomose, autrement dit les malades avec une infection post-opératoire qui sont potentiellement justement avec des germes difficiles à traiter. Deuxième oui. élément intéressant, quand on regarde là encore les résultats de la surviving sepsis Campaign, et de manière assez peu explicable, les patients qui ont une pneumonie sont en général traités plus rapidement que les patients qui ont une péritonite. Peut-être simplement parce que les prescripteurs ont peur de négativer les prélèvements avec une dose d'antibiotique initiale. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun risque. Et quand vous êtes en train de prendre en compte un patient qui a 100 milliards de germes dans son liquide péritonéal, il n'y a aucun risque de négativer les prélèvements. Donc il faut les traiter le plus rapidement possible. Alors comment les traiter eh bien, les choix qui sont actuellement préconisés dans les différentes recommandations prennent en compte, d'une part, la sévérité de l'infection, d'autre part, le risque potentiel de résistance au traitement. Dans les péritonites communautaires, avec un tableau d'infection minime ou modéré, on va dire pas de sepsis, le traitement antibiotique peut être limité aux entérobactéries ou aux anaérobies. Je vais vous montrer juste après les recommandations françaises. Deuxièmement, en cas de patient plus grave, avec un tableau de sepsis ou choc septique, on propose d'élargir le traitement à plus large spectre sur les entérobactéries, plus spécifiquement. Quand vous passez à des péritonites associées aux soins, les patients peu compliqués ou peu graves, on peut prendre exactement le même régime. Et pour les infections sévères en état de choc, on va élargir le traitement à toutes les bactéries potentielles. Et puis enfin, dans les infections post-opératoires, on va, là encore, chez les patients en état de choc septique, élargir encore ce traitement pour prendre cette fois-ci en compte, en plus, les levures dans le, le, le ciblage thérapeutique. Alors, voilà ici la conférence d'experts qui avait été publiée en 2015 concernant le traitement probabiliste des infections communautaires. Je vous rappelle que quand le patient n'a pas de signe de gravité, les traitements à spectre relativement étroit, type amoxicilline acide clavulanique, gentamicine, sont efficaces. On peut également utiliser une céphalosporine de troisième génération avec du métronidazole. Si vous avez un patient qui présente des signes de gravité, en d'autres termes des signes de sepsis, ou de choc septique, on élargit le traitement par piperacidine, tazobactam plus gentamicine. Si vous avez eu un doute quant à un traitement antifongique, j'y reviendrai juste après à ce moment-là. Les recommandations, elles pourraient être discutées largement, sont d'utiliser une échinocandine. Dans le cadre de péritonite associée aux soins, cette fois-ci, on va utiliser de base la piperacidine, tazobactam et ça n'est plus vraiment la sévérité qui va guider ces patients qui va guider le choix de ces patients, le traitement, mais ça va être plutôt le risque de BMR. Et en cas de risque de BMR, j'y reviens juste après là encore, on choisit un carbapénem plus de la mycacine, de manière à élargir le spectre, plus ou moins de la vancomycine, s'il y a présence de grammes positifs qui peuvent être ciblés ou qui pourraient ne pas être ciblés par les carbapénem. En cas de suspicion de levure, là encore, on va passer à une échinocandine. Quels sont les facteurs de risque d'isoler une bactérie multirésistante pas grand-chose comme surprise par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature. Le fait d'avoir eu une pression de sélection préalable, par exemple en ayant eu des céphalosporines de troisième génération ou une fluoroquinolone. Des patients qui seraient connus comme porteurs d'une antérobactérie BLSE, d'un pseudomonas résistant à la ceftazidime. Un patient qui aurait été à l'étranger dans les 12 mois précédents, surtout s'il a voyagé dans l'est de la planète. Les patients qui sont en EHPAD et porteurs de matériel exogène, type sonde à demeure ou gastrostomie. Des patients qui auraient à nouveau une pression de sélection avec une antibiothérapie large spectre par une C3 ou une quinolone ou de la piperatazo, ou bien un patient en récidive précoce d'une infection déjà traitée par piperatazo. Autrement dit, une très large suspicion chez les patients qui ont une infection nosocomiale. Un petit mot sur les infections à levure. Il y a des tonnes et des tonnes de papiers qui ont été faits concernant les facteurs de risque d'infection à levure. Un élément très spécifique, c'est une antibiothérapie prolongée à large spectre. Et plus spécifiquement dans le cadre des infections intra-abdominales, chirurgie abdominale à répétition, perforation gastro-intestinale récidivante, lâchage d'anastomose, autrement dit, là encore, une ambiance très largement orientée vers le nosocomial. Quels sont les traitements qui sont proposés dans ce cadre d'infection à candida Les recommandations ont progressivement glissé au cours de ces dernières années vers les échinocandines, gardant les azolés et majoritairement le fluconazole pour les infections peu graves. Et actuellement, il n'y a pratiquement plus de place pour l'amphotéricine B en première ligne pour les experts. Petit point de détail intéressant, il n'y a aucune étude qui supporte effectivement ces recommandations. Tout ça, c'est des avis d'experts qui sont basés sur des extrapolations par rapport à ce que l'on a connu dans les infections type candidémie. Argument pour démuter un traitement antifongique. Un risque accru d'infection antifongique d'une part, ou bien un pronostic engagé, type par exemple défaillance respiratoire ou présence de levure à l'examen direct. Dernier point, les durées de traitement. C'est un sujet à la mode. Il y a eu, il y a de ça maintenant un an et demi, un papier du groupe de Sawyer aux États-Unis qui propose un raccourcissement du traitement. Cette étude Stop It a été réalisée avec deux groupes de patients, un, patient, un groupe contrôle dans lequel on faisait grosso modo à peu près ce qu'on voulait jusqu'à un maximum de 10 jours de traitement. Un groupe expérimental avec quatre jours de traitement maximum. C'est des patients essentiellement communautaires, infections associées aux soins, infections acquises à l'hôpital, peu graves, avec un score APACHE à 10. Et au bout du compte, cette étude qui a été arrêtée pour futilité ne montrait pas d'amélioration du pronostic avec un traitement prolongé. Donc les auteurs concluent il faut faire des durées courtes. En ce qui concerne les malades de réanimation, petite nouveauté on a présenté l'année dernière à la une étude du RapoP. Randomisés avec deux groupes de patients, patients traités 8 jours versus patients traités 15 jours pour des péritonites post graves admis en réanimation. Ils ont été suivis pendant 45 jours. Au bout du compte, c'est des patients tout à fait standards et a priori, on ne montre pas de modification de la durée de traitement, que la durée de traitement change quoi que ce soit au pronostic. Ces patients sont au total aussi bien traités à 8 jours qu'avec 15 jours de traitement. Donc pour conclure, je vous rappelle que c'est la deuxième cause d'infection chez les malades de réanimation. C'est très fréquemment associé à des dysfonctions d'organes. Nos enjeux actuellement sont liés à la rapidité du traitement d'un côté et à l'adaptation le plus rapide des traitements, que ce soit chirurgicaux ou thérapeutiques, antibiothérapie. Je vous remercie de votre attention.